On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. C'est un parcours taillé pour les purs rouleurs, avec de longs faux plats, où il faudra faire parler la puissance. Essaie de trouver ton rythme. Allez, t'arrives sur une portion plus difficile. Ça monte en deux temps. Ne te mets pas dans le rouge tout de suite. Allez, relance un peu pour reprendre de la vitesse. Allez, allez. C'est quasiment tout plat jusqu'à l'arrivée. Vas-y à fond. Allez, allez. Le point d'âge intermédiaire est dans 1 km. Allez, allez. Allez, plus que 5 km. Allez, ça descend. Faut tout donner, à fond, allez. Plus vite. Bravo. Plus vite. Allez. Comme ça. Allez. Allez, plus que 3 km. Allez, allez. Allez, plus vite. Allez, il y a un petit coup de cul. Passe en danseuse pour pas perdre de vitesse. Allez, plus qu'un kilomètre. C'est bientôt fini. Allez, au courage. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. C'est une étape où on n'aurait pas d'ambition en temps normal. Mais avec le vent, le scénario est imprévisible. Bonjour à tous. Les étapes de transition sont souvent un peu trop vite cataloguées. Contre toute attente, elles peuvent parfois secouer les cadors du peloton. Il faudra donc faire preuve de vigilance, notamment dans la traversée de la vallée du Rhône, où les courants d'air occasionneront peut-être des risques de bordure. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. C'est un parcours taillé pour les purs rouleurs, avec de longs faux plats, où il faudra faire parler la puissance. Essaie de trouver ton rythme. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. C'est un parcours taillé pour les purs rouleurs, avec de longs faux plats, où il faudra faire parler la puissance. Essaie de trouver ton rythme. Allez, t'arrives sur une portion plus difficile. Ça monte en deux temps. Ne te mets pas dans le rouge tout de suite. Allez, relance un peu pour reprendre de la vitesse. Allez, allez! C'est quasiment tout plat jusqu'à l'arrivée. Vas-y à fond. Allez, allez! Le point d'âge intermédiaire est dans 1 km. Allez, allez! Allez, plus que 5 km. Allez, ça descend. Faut tout donner, à fond, allez. Plus vite. Bravo. Plus vite. Allez, plus que 3 km. Allez. Allez, plus vite. Allez, il y a un petit coup de cul. Passe en danseuse pour pas perdre de vitesse. Allez, plus qu'un kilomètre. Le contre a l'air bien parti. Il lance le sprint pour le grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui, c'est bien. Bravo les gars, c'est bien. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Protégé. Les voilà. Ouais. Allez les gars. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Protégé. Allez les gars. Ça marche. Je me ravitaille. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. D'accord, on se ravitaille. Il devient le leader du classement de la montagne. Les hommes de tête en ont terminé avec la côte de Saint-Georges-en-Couzan. Il leur reste 7 km de plat avant d'entamer la côte finale. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Allez les gars, courage. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. « 10 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec la bosse d'arrivée. » D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. Allez, c'est parti. L'homme de tête entame la montée finale. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Plus que 5 km. On se dirige vers une arrivée groupée. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Et voici de la flamme rouge pour le peloton. Dernier kilomètre, allez les gars! Il essaye de sortir, attention! Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Bonjour à tous.